Salut, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment ça marche une boîte de vitesse automatique d'une Ford Fiesta. Voilà, donc ici nous avons le premier rapport qui veut dire parking. Donc parking, quand j'ai fini de conduire, je me mets sur le mode parking et par contre ça bloque que la boîte de vitesse, ça ne bloque pas les roues. Si vous voulez bloquer les roues comme en boîte manuelle, vous devrez tirer le frein à main. Deuxième rapport, le R. Donc le R, ça veut dire marche arrière, comme ça en boîte manuelle. Vous enclenchez la marche arrière et la voiture reculera toute seule. Ici, le N, ça veut dire le point mort. Donc forcément, si la voiture est en panne ou si vous voulez changer de rapport, par exemple de D, si je passais à R, automatiquement, je serais obligé de passer sur N. Voilà. Ou N pour aller sur Drive. Voilà, donc le note, c'est juste pour changer de rapport ou si le véhicule est en panne pour pousser le véhicule. Le D, ça veut dire drive, donc démarrer pour certains qui disent. Donc c'est option automatique de la boîte de vitesse, donc la boîte de vitesse passera elle-même les vitesses. Et le S, ça veut dire select shift, donc mode sport ou manuel. Donc vous allez passer les rapports manuellement avec le bouton qui est juste en haut. Donc en haut ici, c'est pour passer les vitesses et en bas, c'est pour rétrograder. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, au moins, je vous ai montré au moins comment ça marche une boîte de vitesse de chez Ford en boîte automatique. Voilà, merci, au revoir.